これが最後の月牙天章だ。Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Bleach Brave Souls. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui va varier un petit peu d'habitude. En effet je vais être un petit peu moins démonstratif, un petit peu moins didactique effectivement dans le sujet du jour. En effet vous êtes quand même assez régulièrement à me poser des questions, notamment sur les streams, hein, lorsqu'on live sur Bleach Brave Souls, à me demander notamment quels sont éventuellement mes persos préférés alors sur Bleach, on va dire sur la licence Bleach dans le sens large du terme, ou plus précisément après sur Bleach Brave Souls en lui-même. Concernant le jeu, j'ai surtout coutume de vous dire que j'ai pas vraiment de perso favori, mais que par contre j'ai plusieurs coups de cœur pour différentes raisons. Et qu'est-ce qui a provoqué en particulier ces coups de cœur? Eh bien je vous propose qu'on commence dès aujourd'hui avec cette petite série, en commençant par le top 10 de mes animations d'attaque spéciale préférées. Attention, je vous précise cependant que ce top 10 a été créé uniquement par rapport à mes appréciations personnelles. Il n'est là question que des animations de l'attaque spéciale en elle-même. On ne juge pas effectivement les conséquences de l'attaque spéciale une fois que celle-ci est posée sur le champ de bataille. Dans le même esprit, il faut savoir que ce top 10 a été réalisé avec des personnages de ma box, donc en effet peut-être que certains personnages peut-être assez récents ou assez quali déjà de base ne sont pas intégrés effectivement dans ce top, mais si je n'en dispose pas, je peux difficilement en juger. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon petit classement de mes spé préférés. この一振りで型をつけり月牙天章。私が吹き飛ばしてあげる。あなたの心も晴れたかしら。挽回悪化の咎め。これが私の残白刀の真の力だ。大したものだ。春光雷獣戦記、神竜国病戦記す。挽回加点胸骨絡まつ真珠、これにて大詰め締めの段、糸切りバサミ血染めの喉笛。見届けるがいい。全てを無に返すこの力を。トルメンタでムルシエラゴ。俺の中の力の全部、これでてめえを倒す。行くぜ。行くで。逃げても無駄や。僕の炎はしつこいで。大したもんだ。スカバネども、しばし戦の優越をくれてやる。眼下の太刀南、赤十万億師大光人。Voilà, vous avez dorénavant un aperçu de l'ensemble des specs qui effectivement m'ont marqué pour différentes raisons. Si on commence effectivement par le Cone Karakurizer, bah c'est juste déjà parce que de base je m'attendais clairement pas à ce que Kelab intègre le perso dans le jeu. C'est un perso qui est 100% troll, 100% dans l'abus, qui rappelle effectivement ces vieilles séries animées des années 80 où tout était absolument dans l'excès avec des costumes flashy, avec des grandes capes, des gros casques, des machins. Bref, c'est du 100% troll et j'aime vraiment l'aspect, l'animation même en règle générale de ce perso. Après sur les autres animations, c'est aussi lié à beaucoup de persos que l'on n'a jamais vu animés jusque-là. Je vais surtout parler notamment
notamment des persos de la guerre sanglante, les voir animés avec une telle qualité effectivement en dehors d'un support papier qui habituellement est fixe, hein, on n'a pas eu l'habitude de les voir autrement que sur manga, couché sur format papier, les voir animés comme ça dans ce jeu c'était vraiment une vraie pépite, un vrai bonheur. Après je vous avoue que ça n'a pas non plus été vraiment simple de pouvoir établir un classement par rapport à ces personnages là, puisqu'en effet c'est même pas un top 10 que j'aurais dû faire, c'est limite un top 100 tellement il y a effectivement de spé que j'aime bien dans ce jeu. Sans compter qu'effectivement certains d'entre eux méritent quand même quelques mentions honorables, vous voyez par exemple dans les persos que j'ai, j'aurais très bien pu intégrer par exemple le Ichigo Fullbring ou même le Ichigo Mugetsu V1 effectivement qui même encore aujourd'hui je trouve ce personnage continue d'avoir une très belle qualité d'animation. Et après dans les persos que j'ai pas, bah par exemple on aurait pu parler de la dernière version du Ichigo Vasto effectivement qui lui aurait très certainement été très très bien classé dans le top tellement l'animation est vraiment ultra quali. Dans le même esprit on peut aussi parler de certains persos qu'Inferior Onward assez récents, notamment j'ai bien aimé moi l'animation de Nell effectivement mais je ne dispose pas du personnage. Bref, il y a effectivement tout un tas de personnages qui auraient très largement mérité également de figurer dans ce classement. Et maintenant c'est à votre tour, n'hésitez pas bien sûr à employer le champ commentaire qui est dispo sous la VOD. Est-ce que l'idée en elle-même vous plaît? Est-ce que c'est le genre de choses que vous aimeriez voir un petit peu plus régulièrement? Puisque en effet s'il s'agit de proposer des tops et des classements par rapport à certaines de mes préférences personnelles, on peut évidemment tabler sur un panel assez large. Mais dans le même esprit, n'hésitez pas vous-même à employer ce champ commentaire pour indiquer quel serait votre propre classement perso. Encore une fois, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous préférez par rapport aux qualités d'animation des personnages, n'hésitez pas évidemment à employer le champ commentaire pour y laisser votre avis. Ça peut être sympa effectivement de voir un petit peu à quel point les goûts de chacun sont différents et pouvoir comparer quel perso a davantage marqué les joueurs que les autres. Un grand merci à vous tous en tout cas d'avoir choisi de suivre ce sujet. Je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Des bisous tout le monde, ciao. So make me your dead man.